Zotero est un logiciel bibliographique gratuit et open source qui offre de nombreuses fonctionnalités. Il aide les chercheurs à citer leurs références bibliographiques, à organiser leur lecture et à prendre des notes. Il facilite notamment la collecte automatique de références, l'organisation de ces références, la rédaction de citations abrégées dans vos textes, ainsi que la rédaction de bibliographies dans différents styles bibliographiques, APA, MLA, Chicago, etc. Pour cela, il utilise des extensions pour différents traitements textes, par exemple Microsoft Word, LibreOffice, BibTeX, Google Doc, etc. Zotero facilite aussi la sauvegarde infonuagique et enfin la collaboration. Vous allez pouvoir partager, si vous le souhaitez, des références dans une équipe de travail avec des collaborateurs. Zotero est disponible en tant qu'application de bureau pour Windows, macOS et Linux. Il existe également une version limitée en ligne, Zotero Web, qui permet d'accéder à votre bibliothèque avec un compte. Il existe aussi une version simplifiée pour navigateur, appelée Zotero Bib. Cependant, dans le cadre de cette série capsule, nous explorons uniquement la version application de bureau car c'est celle qui offre toutes les fonctionnalités les plus intéressantes de citation et d'organisation. Notez que Zotero utilise et reconnaît des formats de fichiers ouverts, ce qui rend votre travail plus pérenne, plus sécur et mieux interopérable ou exportable vers d'autres systèmes informatiques. Le logiciel Zotero a été initialement développé pour et par des historiens universitaires. Il est désormais utilisé dans toutes les disciplines de la recherche. Son développement continu est assuré par un organisme à but non lucratif et aussi par une communauté internationale et multilingue très active, à laquelle je participe modestement. À l'Université de Montréal, nous offrons du support et de la formation pour ce logiciel.